Je me présente, Yannick, membre actif de EFA. Par rapport au mastermind, moi, je voulais juste dire un truc très rapide, c'est que le mastermind, ça te permet de toucher vraiment le concret du doigt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se forme, on a des connaissances, mais on n'a pas forcément le même style de vie. Et il y a des gens qui peuvent être autant efficaces que moi, mais sans faire exactement comme moi, juste parce qu'on a pu réfléchir ensemble pour trouver la façon d'être performant et efficace en fonction de son style de vie. Et vu que le mastermind, c'est un cercle réduit, on a ce temps de se concentrer et de se dire, voilà tes besoins, c'est ça que tu dois faire par rapport à ça pour être efficace. Et on a besoin de voir du concret. Quand je dis on a besoin de voir du concret, c'est pas qu'en se formant à EFA, on veut pas voir du concret. Quand on se forme à EFA, on veut voir du concret. Ça passe par l'effort personnel, ça passe par plein de choses, mais dans le mastermind, on veut aller plus loin. On est un groupe restreint, donc on a un peu plus de temps de faire presque un programme de réussite sur mesure. Et ça passe par l'échange entre les masterminders, l'échange de stratégies et les difficultés qu'on rencontre. Et à ce moment-là, chacun peut arriver à trouver son envol, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, spécialement, ce que je voulais dire par rapport au mastermind, ça rejoint totalement aussi mon expérience à moi, mon aventure et aussi mon apport au sein du mastermind. Parce que Edith l'a dit, on est plusieurs cerveaux à réfléchir ensemble. Et ce n'est pas seulement au niveau de la bourse en termes d'investissement et de trading, c'est sur les trois piliers de la richesse. Parce que Olivier peut avoir un projet entrepreneurial, Edith a un projet au niveau de, je ne sais pas, l'immobilier. Et puis moi, j'ai un projet au niveau de la levée de fonds par rapport à des stratégies en bourse. Et ça va être au centre de nos préoccupations dans le mastermind. Mais au centre de nos préoccupations pour avoir des résultats concrets, parce qu'on est un groupe quand même assez restreint et on a le temps de faire des programmes de réussite sur mesure. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport au mastermind. Merci.